détaillée sur la réussite ou non d'ailleurs des étalons qui sont devenus reproducteurs après avoir eux-mêmes couru à Hauteuil depuis 30 ans. Très intéressante statistique et vidéo qui nous sera livrée dans le détail sur France. Le transfert, donc le cocorico, étonnamment divers par network. C'est le nouveau de Toméo, dont tout le monde se souvient, 322 000 euros de gain pour Toméo. Le 37, donc, est désormais sur la ligne des écuries. Oh, quel beau geste pour ce fils de Cocorico, présenté par Philippe Achard. Plaisant poulain. Et 38, tout en puissance, très cap-garde. Beaucoup de punch. Pour ce poulain, né le 7 avril, capable de partir de loin et de courir sans aucune difficulté. Frère de Capaline, double gagnante en plat dans le course intéressante au Triple Solo et gagnante aussi à deux reprises dans l'obstacle à Carpentel et sur le pelon aussi de Cagnes-sur-Mer. Accélération désormais du 37. Troisième produit de sa mère, celle-là, dans le